Oui, comment vous appelez-vous? Vous êtes né quand? Quand est-ce votre date de naissance? C'est 24 septembre 1900. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner le micro, le traducteur? Il a un micro. Il a un micro. Ah, voilà, c'est que lui utilise. Non, vous n'avez pas compris. Le micro là, ça c'est au traducteur. Vous, vous avez votre micro. Voilà. C'est 24 septembre 1993. Où? C'est Aigle. Aigle, amen. De qui est le qui? Le prénom et nom de vos pères et mères. Mon nom, le prénom, c'est Ghansham Das Lakhani. Et mon prénom, c'est. Voilà. Prénom, c'est Ghansham Das Lakhani. Et mon prénom, c'est Reshma Lakhani. Vous êtes domicilié, vous? Vous êtes domicilié, vous? Votre domicile? Colère. Colère. Commune de Matin, correct. Vous avez quelle profession? Moi, c'est gérant. Vous êtes gérant? Oui. Vous avez quelle formation? Votre formation? Ah, vous êtes informaticien? Vous êtes marié? Non. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Vous avez une fois été. Vous avez un surnom? Non. Vous avez une fois été condamné? Vous avez accompli vos obligations militaires? Est-ce que vous avez accompli vos obligations militaires? Non. Vous n'avez jamais été recensé dans ce sens? Comme militaire? D'accord. Monsieur Barat Lakhani. Vous êtes traduit devant la cour de ceci, pour faire le faux des usages de faux en écriture de commerce, atteinte à la santé publique et complicité. Ces faits sont prévus et punis par la disposition des actes 19, 20, 585, 588, 880 du Code pénal, 2, 3, 35, 75, 91, 92, 169 de la loi numéro 024 AN du 20 juin 2018 relative aux médicaments, produits de santé et à l'exercice de la profession de pharmacien. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Monsieur, s'il n'a pas compris, dites-lui ça. Non, mais on ne vous entend pas. Non, il n'a pas compris. Oui, vous-même, vous n'avez pas compris. Hein? Oh, aidez-le à comprendre ce qu'on a. Il est renvoyé devant nous, il est traduit devant nous. Il est présent ici. Parce qu'il est poursuivi par le ministère public pour les faits. Hein? Présumé de faux. Usage de faux en écriture publique, dans l'écriture de commerce, atteinte à la santé publique et complicité. Ces faits-là sont prévus par la loi Guinée. Est-ce qu'il reconnaît ces faits? Monsieur, oui,
élevez la voix, on va vous entendre, on doit vous entendre. Quand vous n'êtes pas de vous, hein, il n'est pas du mien. C'est pas, voilà, okay. Voilà, c'est pas une confidence. Il faut qu'on vous entende. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Vous reconnaissez ces faits? Vous reconnaissez ces faits? À quelle date les machines qui ont été ainsi saisies ont été utilisées et par qui pour modifier les dates, les dates de péremption de ces produits? Présenter la what kit, hein, juste la machine, hein, qui tient l'idée de porter une fille, what kit, what month. Environ 1 mois, 2 mois. Bon, on est désolé, vous ne devez pas vous tenir comme ça, enlever la main de la poche, ce n'est pas une bonne attitude. D'accord, merci. Hein? C'est très bon. Donc, il y a environ 1 mois, 2 mois. N'est-ce pas? Oui. Et c'était qui a utilisé ces machines-là pour changer, modifier la date d'opération? C'est le magasin. Attendez, nous nous entendons par magasin ce bâtiment-là. Oui, c'est le magasin. Hein? Magasin, et c'est quand on dit ça, c'est dans où juste ta machine. Ce objet inerte-là peut procéder à la modification, peut utiliser un objet 10 mobile pour pouvoir la changer. Quand on touche la machine, on dit personne ne peut tout. Le président est asking une question. Ou juste une machine, de faire ça, to change the date of redemption. Is it you or another one? Which person use this? Barak Lakhani. C'est M. Barak Lakhani. C'est M. Barak Lakhani. M. Barak Lakhani, n'est-ce pas? Oui. C'est lui qui a l'habitude de le faire. He's used to do that. Oui. Donc, pourquoi il le fait? Il le fait souvent, hein? Il can do that usually. Il can do that all the time. Non. Il ne fait pas. Combien de fois il a fait? How many times il a passé that? Trois fois. Monsieur, au sein de cette structure, de cette société, quel est votre travail, la tâche qui vous confie? In this society, what is your main job? Your job for one. Arranging the books in the view, in the rack, properly. Mon rôle là-bas, c'est d'arranger les marchandises, de classer très vite, mettre ce qu'on appelle un ordre. Vous connaissez, quand un produit arrive, vous savez lire les dates de péremption? Oui, some goods. Some goods are like over there. You know how to read the date of production. You know how to read English and French on the goods. Not French, only on the English. So, je peux lire en anglais. Oui, mais est-ce que c'est un produit qui vient là? La date de production, c'est en anglais ou en français? Those goods, which can arrive, the date of expiration, it is written in French or in English. English. Voilà. Quand ça vient, les dates là, est-ce qu'il vous arrive parfois que vous changez cette date? When those goods arrive, it could happen that you can change the date of the expiration. I don't know. Monsieur le Président, je ne connais pas. Il n'est jamais arrivé que vous changiez la date de péremption? It never happened that you change the date of péremption. Je ne sais pas, monsieur le président. Vous n'avez jamais participé à ce genre d'opération? You have never known yourself to this operation to change the date of expiration? I don't know. I will come in 2 days before in the Conagri.
Cela est arrivé, Monsieur le Président, à mon absence. Quand je suis arrivé 2 jours après, cette affaire-là s'est déclenchée. Voilà, ce que vous appelez affaire-là, cela, il s'agit de moi. 10 et non, action. What has brought you here? Explain. Because the service of checking men went over there to catch you and seize the machine. Mr. Bharat, please call me. We go to Magaje, arrange the product. Then when I call, okay, I will go. The quality control people come with them. Quand le manager m'a appelé, je suis allé dans le magasin pour déplacer les marchandises très bien. C'est pendant ce temps-là que le service de contrôle est intervenu, Monsieur le Président. Les services de contrôle, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? When those people came, what they say about that? Sorry. When those people came, the service of checking, what they say about this arrangement, you know, this forbidden product, what they say about that? I'm arranging the products. Quand ils m'ont trouvé là-bas, j'étais en train d'arranger les produits là, dans les rayons. Qu'est-ce qu'on vous a reproché? What they say about you, what they report for you during that job. Sorry. What they report for you, what they remark, what they say about that. This, you know, concerning bad and no product, what they say about that from you. Your attitude, explain. I don't know. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Pourquoi vous êtes là? Why we are here? The presence here, why? I don't know, sir. Je ne sais pas, Monsieur le Président. Vous n'avez jamais modifié une date d'expiration? You have never modified the date of expiration. I'm only counting 2 days to begin. Je n'ai jamais participé. Quand il y a eu cette opération-là, je suis arrivé il y a eu 2 jours. Qualité, se sont mis en rapport avec le gérant et les autres travailleurs pour faire un inventaire des produits périmés. Je crois que ce travail a été fait pendant 3 jours. Aujourd'hui, tous ces produits-là sont sous scellés comme cela a été dit ici. Nous souhaiterons quand même, puisqu'il s'agit d'un fonds de commerce, il s'agit d'une société commerciale, d'une cyberette qui fonctionne. Nous sollicitons humblement à court d'autoriser que les produits prohibés soient retirés et que les magasins soient ouverts pour que le commerce ne meure pas, pour permettre à nos compatriotes qui sont là-bas, qui ne sont pas sous le coup de l'infraction, de pouvoir travailler et mériter leur rémunération. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, cette question mérite d'être répondue au fond. Nous vous demandons de joindre cette demande au fond, parce que la prochaine audience pour les réquisitions et plaidoiries des débats sont quasiment terminés, Monsieur le Président. En tenant compte des déclarations faites tant à l'enquête préliminaire qu'à l'audience publique ici, les aveux tenus par les prévenus, ces faits sont graves. Les citoyens normaux ne peuvent pas se le permettre. S'il y avait un minimum de respect pour ce pays, pour les lois de ce pays, c'est grave. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est le fait qu'ils sont en liberté. Pas autre chose, ces faits sont graves, Monsieur le Président. C'est une question de conscience collective et de responsabilité professionnelle.
Nous avons l'obligation de protéger notre population. Nous sommes là pour ça, on est payé pour ça, de faire notre travail et de le faire correctement, sans état d'âme. En toute objectivité, monsieur le président. À la limite, monsieur le président, son magasin ne peut pas être ouvert. Vous n'avez pas vu ce magasin, monsieur le président, vous n'avez pas le contenu. Un transport judiciaire est possible pour aller voir. La Cour joint les demandes de destruction de produits incriminés et de réouverture du magasin concerné au fond. Renvoie l'affaire au jeudi 27 juillet 2023 à 9h00 pour la suite des débats avec possibilité de réquisition et plaidoirie de votre société.